Bienvenue dans le pied de bois notre pays. Aujourd'hui, comme ça tu vois, nous ça va présenter à un autre pied de bois. Ça tu vois le flair, ça tu vois le bon grain. Ils appellent ça acacia. Acacia, donc, c'est une plante originaire d'Afrique, d'Afrique. Hein. Donc, ce pied de bois-là, il pousse à l'état sauvage. Hein. Même, tu vois le bon fleur, les jolies, cela, mais ça, c'est bon pied de bois. Il pousse à basse altitude. Nous allons voir un petit peu plus près. Voilà. Tu vois l'envergure, le bon branche, voilà, il étale un petit peu, c'est un grand envergure. Avec le bon bois. Le bois que tu vois là. Longtemps, même comme il est là, hein, cet hiver, hein, cet hiver trouve encore bon pied comme ça. Il fait la manche pioche avec. Donc là, nous avons un pied quand même assez âgé. Tu peux voir le tronc ici. L'île fait partie de la famille de Mimosaceae, c'est-à-dire. Dans cette famille-là, on a le Mosa, cette cabri il mange, hein. Mosa, cassia, mimosa. On a aussi le tamarin de l'Inde, qui fait partie de la famille des Mimosaceae. Là donc, bien c'est remonté, hein. Très difficile, parce que là, il la pousse dans un endroit assez périlleux, comme nous va dit. Donc, on y présente à zot, l'acacia. Et ça, c'est le nom acacia, c'est à ne pas confondre avec en Europe l'acacia. Hein. L'acacia que là, ils nomment là-bas, les autres choses. Mais il fait toujours partie de la même famille, il fait toujours partie de la famille des Mimosaceae. D'ailleurs, la Réunion, quand on est un il fait 51 ans en mariage, nous dit que c'est les noces d'acacia. Donc voilà pour le pied de bois aujourd'hui. Nous avons rendez-vous la prochaine fois pour un autre pied de bois sur Saint-Le TV. Nous retrouvons.